Bonsoir mes poppies, nous sommes samedi soir, donc il doit être aux alentours de 20h15, 20h20. Et donc je viens vous voir dans cette vidéo afin de vous présenter eh bien, les achats que j'ai réalisés sur la boutique Vinted de ma popinette au coquelicot alias Aude, que vous connaissez très certainement via le pseudo YouTube Tout Azimut. Et mon petit doigt me dit que vous devriez avoir bientôt du contenu sur sa chaîne. Donc, non seulement vous aurez le lien vers son Vinted, car vous trouverez très certainement des merveilles tout comme moi, mais également le lien vers sa chaîne YouTube. Et donc, je vous invite tout simplement à vous abonner, car le contenu sera très très intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Alors, il faut savoir que Aude a une tendance un peu comme Poppy à en mettre un petit peu dans tous les coins pour éviter que tout ne bouge dans le colis, mais ce n'est ni du papier bulle ni du papier, mais ce sont des choses supplémentaires. Voilà. Alors, je vais peut-être vous présenter les choses dans le désordre, mais le principal, c'est que je vous les présente. Voilà. Alors, il y a plein, plein, plein de cadeaux, mais vous verrez de toute façon la totalité de ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu dans mon colis eh bien, un rouleau de papier calque comme ceci. Donc, elle m'en a mis un sérieux morceau. Ça, du papier calque, j'adore l'utiliser avec un très joli washi. Je vais essayer de tout caser comme ça. Alors, je vais prendre, comme je vous ai dit, les choses comme elles viennent. Je vais prendre ce qui est là au-dessus. Hop. Donc, il y a un petit sachet où il y a un petit trou. Donc, je vais changer le sachet où il y a donc, vous voyez, des boutons et des coquillages. On a des boutons de différentes formes et de différentes couleurs. Donc, ça, c'est très, très sympa pour ajouter, eh bien, sur les bijoux de junk. Alors, il y avait également des friandises, donc il y en a un qui a terminé dans mon estomac et il y en a qui ont été attaqués mais pas terminés. Voilà. Alors, on découvre une superbe dentelle noire autocollante. J'aime beaucoup la trame de cette dentelle et la couleur noire en dentelle, ça fait en tout cas, selon moi, très très raffiné. Alors, sur un paperclip altéré avec un pompon, eh bien, il y avait des cartes que je pourrais altérer. Et ça, c'est trop sympa. J'aime trop altérer les cartes. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais ça me plaît beaucoup. Alors, nous avons des cartes postales aussi jolies les unes que les autres dans l'esprit vintage. Donc je filme la vidéo debout. Je pense que c'est plus pratique pour ce type de vidéo. Voilà, celle-ci tout particulièrement. Bon, celle-ci est très jolie également. Alors, on continue avec une série d'enveloppes. Là, des enveloppes, vous allez en voir à foison. Et enveloppe et pochette. Qui dit Poppy dit enveloppe et pochette. Donc, comment vous dire que je suis ben, juste aux anges. Quand j'ai envoyé le message à Aude pour lui donner mon ressenti par rapport à son colis, elle était morte de rire parce que je lui ai dit je suis comme une gamine. Je saute dans tous les sens. Je vous raconte même pas. L'effet tout azimut est immédiat et dure longtemps. Ça, je peux vous le dire. Alors, on continue avec toute une série d'enveloppes. Vous voyez, on a des enveloppes ici qui sont recouvertes d'un genre de papier de riz à l'intérieur. J'aime beaucoup le bruit que ça fait. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des enveloppes de tout type et de toutes les couleurs. Donc, ça, c'est un vrai régal. Alors, nous avons ici... Ah, elle m'a réalisé un tag. Super joli. Donc, vous voyez le nom de sa chaîne, Tout Azimut.
Comme ça, vous pourrez le taper sur YouTube, mais vous aurez bien entendu le lien direct. Elle m'a également envoyé une ATC et une carte, mais elles sont déjà rangées. Voilà. Alors, comme elle me connaît très bien, elle sait que la couleur orange est ma couleur favorite. Donc, j'ai ici tout un liseré pour pouvoir, eh bien, tout simplement, pourquoi pas servir de reliure ou, eh bien, coudre sur les pages. On verra. Alors, nous avons ici de très jolies serviettes. Le serviettage, je pense que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est quelque chose, eh bien, que j'aime faire de plus en plus. Je n'y pensais pas du tout avant, mais au vu des derniers échanges, etc., j'en ai reçu pas mal et donc j'aime bien les utiliser, par exemple, comme fond pour travailler une couverture. Alors, ici, à utiliser sur des projets en complément de colle. Je ne suis pas sûre qu'ils tiennent dans le temps. Eh bien, on testera ça. Donc, elle m'a mis du double face. Donc, je testerai et je te dirai dans une très jolie enveloppe jaune. Vous la voyez orange, mais elle est jaune. Comme je vous dis, on est le soir, donc on a perdu pas mal de luminosité. Alors, on continue avec, eh bien, des enveloppes. Cette fois, pardon, des enveloppes craft avec l'ouverture comme ceci sur le dessus. Voilà. Nous en avons des autres. Moi, j'appelle ça des enveloppes à fenêtre ou des enveloppes facture. Parce que quand on voit ce type d'enveloppe dans la boîte aux lettres, eh bien, il est temps de s'inquiéter. OK. Alors, on continue. Du papier crépon de couleur orange. Ça, j'adore. J'adore le papier crépon. Lui aussi, j'aime bien le mettre en fond ou alors tout simplement m'en servir comme papier d'emballage. Alors, méga, méga, méga coup de cœur pour ces enveloppes qui mesurent, eh bien, tout simplement 32,5 sur 12,5. Donc, je ne vous raconte pas comment mon petit cerveau s'est mis en ébullition quand j'ai vu ces enveloppes. Là, Aude, tu as fait fort. On continue dans le registre enveloppe avec ces deux magnifiques enveloppes, donc carrées, qui font 16,5 par 16,5. Alors, on continue avec, je vais l'appeler un chemin de table, parce que précisément, je ne connais pas son nom. Maintenant, c'est ajouré. C'est super joli. Je pense que je pourrais m'en servir également comme dessus de couverture. Je pense que je testerai ça. Pourquoi pas dans le junk que je suis en train de faire. Regardez, j'ai retrouvé un rescapé. Alors, nous avons ici un du papier. Donc, c'est du craft gommé. Donc, le craft gommé, donc vous voyez, vous avez une partie où il faut réactiver la colle. Donc, il faut tout simplement mettre de l'eau. Ça réactive la colle et en fait, ça solidifie vos tranches de junk, vos tranches d'album. Moi, j'adore utiliser ce complément parce que là, au moins, avec ça, on est sûr que nos tranches et nos reliures seront en sécurité. Alors, il y en a également du blanc. Donc, le tout était emballé, mais comme je vous dis, j'ai déjà retiré une partie. Voilà, donc ça, c'est le blanc. Alors, oh, il y a encore un rescapé, dis donc. Alors, on continue ici avec une série de papiers. Donc, on a des double feuille de grand cahier avec des petits carreaux. Voilà. Ça, une fois teinté au café, ça fait de superbes dossiers. On a des papiers qui sont, regardez, un peu naturellement vieillis par le temps. Donc ici, on a des carreaux. Ici, on a des lignes.
Tout est déjà en train de tomber. Alors, on a des buvards, si je ne m'abuse. Encore des grands papiers de récup de cahiers. Alors ici, on a des partitions, des papiers de partition de musique vierge. Donc ça, je pense que je vais les photocopier avant de les utiliser. Ici, on a, je pense que c'est du cardstock de récup. Ici, avec eh bien, différents moyens de transport, on a encore du papier de récup. Très, très sympa. Moi, ceci, je ne le coupe pas. Je le laisse. J'adore ça. Une carte routière. Ça, j'en avais trouvé récemment également sur, sur Vinted. Alors, on a du papier de soie à foison. Aude m'a vraiment gâtée, mais vraiment, regardez-moi ça, le morceau ici. Aude, tu es ma mère Noël Vintage. Alors, de nouveau, des enveloppes craft. Celles-ci font 23 par 16. Donc, les formes, les couleurs, je ne vous raconte pas. Donc, on a la suite ici des enveloppes 16-16. En fait, on va retrouver plusieurs fois la même chose vu que je lui ai pris plusieurs kits. D'accord? Alors, ici, très très bien emballé dans du papier que je vais vous montrer. Hop. D'abord, je vais vous montrer le papier. Regardez-moi cette merveille. Donc, je vais vous montrer comme ça plutôt. Je vais faire défiler. Voilà. Alors, ce papier, je pense que je ne vais jamais l'utiliser. Hein. J'oserais jamais. Il est trop, trop beau. En plus, il est immense. Alors, nous avons un genre de papier de riz, mais qui est texturé. Il y en a même deux. Donc, tout fleuri, tout magnifique. Comme ceci. Ça, j'adore le travailler également. Et alors, c'est tout doux. On continue avec, cette fois, des grandes enveloppes craft. Hein, avec ici, une petite fenêtre. Donc, ils font 31,30 par 22,30. Donc, quand on aime les pochettes et les cachettes comme moi, ben, vous imaginez ce que je peux ressentir en voyant tout ça. Alors ici, on a encore un genre de liseré, mais il est vieux rose. Donc, vous le voyez rouge, vous, je pense, à la caméra. Alors, nous avons ici une carte, donc une ancienne carte qui servira d'éphéméra, du papier vieilli naturellement. Ici, nous avons un cardstock très très épais, très jolie couleur d'ailleurs, il y en a quatre. Alors, on arrive maintenant sur des pages, oh, ça aussi c'est naturellement vieilli et nous sommes en 1957, mesdames et messieurs. Ici, d'autres papiers également 1957, des papiers de livres qui sont également vieillis naturellement. Alors, nous avons des pages de livres comme ceci, écriture et illustration, voilà, naturellement vieillis par le temps. Alors ici, nous avons toute une série de papiers très très fins. Donc ça aussi, je pense que je ne vais pas l'enlever. Format et texture de papier très intéressant. Alors ici, on a carrément de l'écriture asiatique. Je dis asiatique parce que je ne sais pas si je présume que c'est du chinois. Je présume. Donc on a encore ces fameux papiers, très très fin. Ici encore un genre de papier de riz. Alors Aude m'avait déjà fait parvenir ceci dans un précédent colis. Et en fait, c'est pour y accrocher du contenu, même voir des photos. Donc c'est cartonné à l'intérieur. Ici le même, mais cette fois, en fait, ce sont des anciens albums photos.
voyez, comme ça. Et donc ça, c'est le papier qui sépare les différentes pages. Hop. Alors là, on en a une plus grande, comme ceci. On a des illustrations sur du papier également vieilli par le temps. Les bras ouverts dans un geste de pardon qui appelait à elle tous les repentirs, toutes les bonnes volontés. Bertrande se tut. Alors, encore une autre illustration. On est encore ici sur des anciens albums photos. Et je vous raconte même pas la texture du papier. On a ici... Oh, j'adore ce papier. C'est un genre de papier craft comme ça. Mais avec des écritures. Ici, on a le yin et le yang. C'est trop top. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est la caverne d'Ali Baba des papiers. Toujours ces pages d'anciens albums photos. Ici, du papier récup. Et regardez-moi ici les perforations qui sont juste top. On a des intercalaires. Comme ça. On a, oh là là, regardez-moi ces pépites. Donc on a des partitions de musique. Regardez-moi celles-ci. Elles sont mais carrément piquées. C'est juste le top quoi. C'est le type de choses que je pense toute personne qui aime le vintage et travailler ce type de papier rêverait d'avoir entre les mains. Et pour moi, ce n'est plus un rêve, mais une réalité grâce à ma popinette au coquelicot. Je pense que le jour où je t'ai envoyé un message pour savoir si tu avais encore ce type de kit dans ton Vinted, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait ce jour-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi bien à son Vinted qu'à sa chaîne YouTube. Voilà. Oh, celui-ci aussi. Quand je vous les montre, ils sont peut-être à l'envers, mais bon, vous voyez de quoi il s'agit. Je vais retirer toutes ces merveilles, les mettre derrière moi. Parce que c'est loin d'être fini. Alors, on est reparti pour une série d'enveloppes. Alors ici, ce sont des cartes, donc à plier en deux. Donc, très très joli aussi. Donc, il y a moyen de faire des choses vraiment très sympas. Donc, il y en a plusieurs. C'est le même motif. Voilà. Alors, on repart sur les enveloppes craft de 23 par 16, comme ceci. Alors ici, c'est une... Ah non, on les avait vues tout à l'heure. Donc ce sont les enveloppes dites à facture, mais qui sont de couleur crème. Donc très très jolie couleur. On repart sur les splendides enveloppes craft qui font 33 par 13. Donc celle-ci, que dire quoi? Pure merveille, une pure merveille d'enveloppe. Oh là là, les voilà en blanc. Oh mais c'est... Waouh. Alors là, je suis... J'avais pas vu ça. J'avais pas vu, mais j'ai pas tout regardé. Hein. Alors j'ai un petit mot. Oups, oublie du package. Elle m'a mis un petit mot pour me dire qu'elle avait oublié de mettre ça. Hop là. Alors, ce sont des maxi enveloppes craft avec une fenêtre. C'est la grande classe, les enveloppes. C'est du 31,5 par 22,5. C'est le paradis des enveloppes. Je pense que je l'ai déjà dit. Je radote peut-être, mais c'est parce que je suis happy.
Alors, pardon. Donc ça, c'était, on va dire, la première partie, parce que nous en avons, et oui, une seconde qui est emballée dans ce papier. Voilà. J'ai juste retiré le scotch. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Surprise. Alors, dans du très beau papier effet bois que je vais récupérer, bien entendu. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais faire dans l'autre sens. Je vais mettre comme ça. Non, parce que sinon... Là. Alors, nous avons ici encore du papier calque, mais qui est beaucoup plus épais que celui de tout à l'heure. Ah ouais. Il est trop trop bien aussi celui-là. On continue par... Alors, ça par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ce sont des dossiers? Oui. Voilà, c'est un genre de dossier parce que vous voyez, ici, c'est soudé ou c'est collé. Donc, ça va être incroyable pour réaliser soit des pochettes ou soit des un genre de vitrine dans les junk. Alors, on a encore un ici. Alors, maintenant, on arrive sur du papier partition de musique vierge. Waouh! Alors, on a du papier noir qui est texturé. Je pense que vous le verrez bien. On est reparti sur, je vous le donne en mille, des enveloppes. Oui. Encore des 31,5 sur des 22. C'est celle qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Oh là là, Aude. Mais quel bonheur, mais quel bonheur. Alors, oh là là, attention, les yeux, les merveilles arrivent. Donc, nous avons ici des documents qui devaient servir très certainement pour un commerce, hein, pour mettre les recettes, etc. Ouais, certainement ce genre de documents. On a ici, de nouveau, des partitions de musique, en plus... En double, voilà, de nouveau le même document qu'on a vu à l'instant, et de nouveau des doubles pages de partitions de musique. Alors, oh là là. Donc on a quatre kits comme ceci. Je vais vous les mettre comme ça. Donc, on a des enveloppes comme ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on envoyait ça en correspondance. Donc, quand j'étais à l'école, en secondaire, je correspondais avec James, qui habitait en Floride. Donc, c'était dans le cadre d'un échange... comment est-ce que c'était? Un échange linguistique. Voilà, et c'était vraiment top, et on utilisait ce type d'enveloppe. Alors, je vais essayer de... Je vais faire comme ça. Parce que j'ai vraiment pas envie de tout mélanger. Donc, on a ici... Oh là, si on veut apprendre le japonais... Tiens, il faudrait que je montre ces documents à Jessica. De la chaîne Le Petit Atelier. Je pense qu'elle prenait des cours de japonais. Je ne sais pas si elle en prend encore. Donc, des papiers de livres vieillis naturellement. Voilà. Ça, je remets ici. Alors, ce que je vais faire ça. Tant pis. Parce que je vais tout remettre comme ceci. À moins que les quatre kits soient identiques. Hein. On verra. Je vous les montrerai peut-être pas tous les quatre s'ils sont identiques. Papier de livre. Alors, des papiers avec donc des papiers de récup. Papier de dictionnaire. Il y a le soleil qui s'invite. Ça, c'est pas top.
Oh, le vieillissement de ce papier. Alors ici, on a encore des partitions de musique. Une double page de livre. Partition de musique. Recto verso, ici aussi. Là, c'est pareil. Du papier calque millimétré. Des documents pour la comptabilité. Encore ici, des écritures. Des grandes pages de livres. On a des partitions de musique sur un papier vieilli à souhait. Voilà. C'est juste incroyable ce que j'ai dans les mains. Donc, voilà pour le kit. Je vais vérifier si tous les kits sont en tout cas constitué de la même manière, parce que si c'est le cas, je ne vais pas vous les détailler tous les quatre, puisque si vous en avez vu un, vous avez vu les trois autres. Alors, je range tout. Le tout était donc enveloppé dans ce papier, papier que vous avez déjà vu tout à l'heure. Voilà. Bien, Poupi, je vous ai tombé. Alors, donc ça, c'était donc le premier kit. Je vérifie pour le second. Bah écoutez, c'est agencé de la même manière. Celui-ci aussi. Et celui-là aussi. Donc en fait, à la base, donc j'avais pris ces kits à Aude plus un kit d'enveloppe, voire deux, je ne sais plus trop. Et eh bien, vous avez vu ce que Aude a mis dans le colis. Donc, voilà. Autant vous dire que quelle main, mais pourri gâté. Alors, mes poppies, j'espère que, eh bien, cet éventail de papier, de merveilles, d'éphéméra et de tout ce qui s'ensuit vous donnera l'idée, eh bien, pourquoi pas, de vous lancer. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui hésitent encore, mais allez-y, sautez le pas. Donc, si je peux vous renseigner pour certaines choses, sachez que vous pouvez me contacter par message privé. Pour contacter Aude, eh bien, rendez-vous sur son Vinted. Donc, vous avez la possibilité de prendre contact avec la personne via message privé, donc n'hésitez surtout pas. En ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouve demain pour le live du Junk Journal collectif. Donc on termine les doubles pages de Donovan et on va commencer, eh bien, la double page de Audrey. Voilà. Mes poppies, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à aller donc découvrir les réseaux sociaux de Aude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain 14h pour le live ici sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Bye bye.